Sur mon chemin, je croise une sirène, une mamie Wata au quartier Hausa. C'était une fille du pays Vokali avec les cheveux d'une belle peul, une gazelle avec des ailes, la tête dans les airs comme l'hirondelle. Elle était là pour faire des achats, elle m'a regardé et m'emporté. Ses yeux vous empaillent en épousailles, sans la dot jusqu'à Evo, sans la dot jusqu'à Evo. D'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu, belle sirène? D'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu, belle sirène? Avec son poitrail en attirail, cette limousine est une épine qui consipote à la limousine. Et je suis très ému. Très ému pourquoi? Parce que, avec la découverte de Lucie le 24 novembre 1974, dans la vallée de la Wash et la dépression de l'Afar en Éthiopie, on ne savait pas qu'on avait trouvé quelque chose qui va nous permettre de dire qu'on est tous d'origine africaine. Tous! Il y a un papier qui est sorti très récemment dans la revue Nature, il y a quelques mois. Il a été découvert au Maroc, dans le Haut Atlas, au Djebel Irhoud précisément, des crânes qui dateraient de 300 000 ans et qui sont des Homo sapiens. Il a été découvert dans la vallée de la Wash, après cette découverte de Lucie. Elle n'est pas seule, Lucie. Bon, elle a été trouvée seule, mais c'est des dizaines d'Australopithèques. Le nom, c'est Australopithecus afarensis. Il a été découvert dans cette même vallée de la Wash, dans les années 2000, à une cinquantaine de kilomètres du site de Lucie, plus au sud, des Homo sapiens. Homo sapiens idatu. Idatu. Vieux de 200 000 ans, 200 000 ans, il a été découvert, toujours dans cette même vallée de la Wash, par des collègues éthiopiens que nous avons formés. Ils sont cinq aujourd'hui, réputés internationalement. Je le dis aux responsables éthiopiens qui sont présents ici. Et ce sont des amis, et que j'ai encouragés dans leurs recherches. Et je suis fier de savoir, après avoir formé en France des chercheurs éthiopiens, et Alain Seguet, Zirag, a découvert, pas très loin de Lucie, à 5 km de Lucie, un bébé, Australopithèque aussi, à Francis, qui avait que ses dents de lait. Lucie, c'est quoi? Elle représente en fait... Moi, d'abord, je voudrais bannir le terme de race humaine. La seule race humaine qui existe, c'est l'Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. On est tous des humains. Aujourd'hui, où le monde... Lucie, c'est un symbole. C'est une icône qui nous dit et qui a survécu dans le temps puisqu'elle a donné, elle est préhumaine, elle a donné la lignée humaine qui est sortie d'Afrique par le nord et partie en Asie et sur le continent américain, bien plus tard que les Homo sapiens trouvés aujourd'hui en Afrique, sur le continent américain. Et ça, je pense que, quelle que soit la couleur des peaux, nous avons tous dans notre sang quelque chose d'Africain. Et Lucie a vécu toujours comme les autres Australopithèques, comme tous les autres Homo habilis, Homo erectus, Homo, etc. Il y en a des dizaines, des dizaines et des dizaines. Ce sont c'est des humains, déjà. Ils sont sortis d'Afrique, par le nord, par la vallée du Nil,
ou qui était une succession de lagunes, etc., où est sortie la civilisation égyptienne, et plus au sud, en Éthiopie, où on a la civilisation amharique, éthiopienne, c'est les premières écritures, tout ça sort d'Afrique. Il y a les Chinois. Les Chinois, bon, j'ai travaillé également en Inde, je suis resté un an, et on a fouillé un site archéologique au sud de l'Inde, et qui s'appelle Attirabhakam. Le site de Lucie, c'est Adar. Bon, c'est-à-dire c'est tout blanc, c'est-à-dire effectivement il fait chaud, etc. Eh bien là, il a été trouvé des industries qui remonteraient autour d'un million d'années. C'est-à-dire que d'Acheulien, c'est un terme français, c'est à Saint-Acheul, le nord de la France, où c'est, disons, le berceau de la préhistoire en France. À Lyon, l'université de Lyon, avec la paléontologie, que ce soit sur des préhumains, des humains ou la grande faune, c'est aussi ici, à Lyon, qu'il y avait les meilleurs paléontologues. Sur les vertébrés, c'est très important, c'est ce que j'ai dit là. Et quand on dit 3 millions d'années, il a trouvé donc, avant Lucide, des choses qui ne sont pas australopithèques, quelque chose qui se rapprocherait plutôt vers ce qu'on appelle les grands singes. Si on regarde cette espèce-là d'australopithèque, qui est lucide, et qu'on regarde le pied, et qu'on voit le gros orteil, hein, qui est accolé aux autres orteils, comparé finalement aux singes, les chimpanzés, où ils sont écartés, et l'ardipithèque s'est écarté. C'est-à-dire que Lucie, elle avait la capacité de marcher sur ses deux pattes arrière et capable. Et elle avait la capacité à grimper sur les arbres. Donc, Lucie, elle vivait ses australopithèques pendant plus d'un demi-million d'années. Cette espèce-là a vécu dans cette Éthiopie qui est dans la vallée de la Wash et la dépression de la Var. Eh bien, elle a vécu en harmonie avec le milieu, avec la faune, avec la flore, etc. Et on sait, quand on regarde les dents de ces australopithèques, elles n'étaient pas une carnivore, elles ne tuaient pas les bêtes féroces. Elles se protégeaient des bêtes féroces, et on voit parfaitement qu'elles étaient surtout végétariennes, en fait. Parce qu'on voit les traces de végétation à la classification. Lucie est un symbole. Elle dit aux humains d'aujourd'hui, pas ceux qui mettent des bombes partout et qui tuent les autres humains, elle dit que nous sommes tous des homo sapiens et nous voulons que notre planète continue et vive, et ça se fera par l'éducation. Je vous remercie. Merci Maurice. Il y aura une conférence le 23 janvier qu'on organise Lyon 3 avec toi, et que s'il y a des gens qui souhaitent, qui peuvent vous rencontrer, ça sera l'occasion, parce que comme on ne voulait pas vous embêter pour essayer d'organiser une conférence, au mois de janvier à Lyon 3 il y aura une conférence qu'on va faire avec David et Elodie. Donc c'est le 23 et il y aura des informations sur internet qu'on va communiquer.